En fait, j'étais invité le vendredi demain, le 12, et c'est moi qui ai sollicité de venir tout de suite. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte, donc, d'y aller. Je voulais, dans telle matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossembe. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme. Et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé. J'ai dit, on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois vous dire, mais... je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir d'ici, je pense à nos soldats de la FARDC. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus, et merci à ma fille, voilà. Donc, Minou, M. Nivek qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc, le CESAC fait bien les choses. Donc, je repars d'ici heureux en tant que Congolais, et puis voilà.